Bonjour, monsieur le député de Nathan Matapédia. Monsieur le Président, le 8 février dernier, l'un des grands bâtisseurs de notre région et fondateur des supermarchés GP nous a quittés à l'âge de 92 ans. Au cours de sa carrière, M. Germain Pelletier, entrepreneur originaire de Baie-des-Sables, a fondé une entreprise qui n'avait rien à envier aux grandes chaînes. Appuyé par sa partenaire de vie et d'affaires, Mme Rolande Pelletier, il fonde en 1958 leur tout premier marché d'alimentation à Mont-Joli. Devant faire face aux géants de l'époque comme Provigo, Steinberg et Dominion, l'homme d'affaires reconnu pour sa vision et son positivisme contagieux a su se tailler une place de choix en créant la plus importante chaîne d'alimentation indépendante au Québec, comptant 15 supermarchés établis au Bas-Saint-Laurent et dans la région de Québec. Afin de faciliter l'implantation de ses nouveaux commerces et favoriser le développement régional, M. Pelletier a également créé la société immobilière GP en 1975. Au moment de vendre ses supermarchés à Métro en 2009, l'entreprise Miticienne employait près de 1800 personnes, générait un chiffre d'affaires de 280 millions. Rolande et Germain Pelletier sont les créateurs d'une véritable histoire à succès entrepreneurial. Aujourd'hui, j'offre mes plus sincères condoléances à Mme Pelletier ainsi qu'à tous les membres de la famille d'un grand bâtisseur de la Métis. Merci, M. le Président. Merci à vous, M. le député de Matane-Matapédia.